What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur le Assassin's Creed Brotherhood. Donc on va se diriger vers la nouvelle petite mission principale avec pas mal d'assassins à mes ordres parce qu'ils m'ont obligé en fait à aller récupérer quelques assassins. Donc maintenant on a deux jauges pour appeler des gens à notre service, donc logiquement on en a quatre. Bon, c'est pas énorme, je sais pas pourquoi on en a besoin. Est-ce que ça va être chaud? On va voir ça. Et bah du coup j'en ai profité aussi pour récupérer un superbe cheval en armure. Où est Pietro? Je ne le sais pas. Mais Micheletto attend à la porte de la cité, à l'est des thermes de Trajan. Ces hommes vont se déguiser pour que la mort de Pietro ressemble à un accident. Il me conduira à l'amant de Lucrezia. Ezio, Machiavelli nous a trahis. Je souhaiterais croire le contraire, mais le doute n'est plus permis. Tu n'as plus le choix, supprime-le. Si tu refuses, je m'en charge. Si Volpe ne m'aide pas, je vais devoir compter sur mes nouvelles recrues. Voilà, donc c'était justement pour ça. Par contre, vraiment, la Volpe commence à devenir chelou. Hein. Il veut absolument qu'on tue Machiavelli. À mon avis, c'est lui, hein, le méchant. Il doit y avoir un truc à ce niveau-là. Alors, prenez Micheletto en filature jusqu'au lieu de la représentation, tout en le suivant, trouvez un moyen pour que vos recrues prennent part au spectacle. Ok. Ça me paraît rentable. Alors, trouvez Micheletto à la porte Est. Alors, on peut acheter un docteur. Il n'y aurait pas un... Ah non, mais c'est Locke, c'est encore sous influence Borgia ici, je crois. Ah, c'est con, ça. Parce qu'en fait, j'aurais bien acheté une forge. Alors, est-ce que ça serait une forge, ça? Attendez, on va juste regarder. Fablo. Je pense pas, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, forgeron. Ah ouais, mais c'est encore sous influence Borgia, effectivement. Dommage. Bah, on aura essayé. Non, non, mais je vais pas aller à cette tour là-bas, monsieur. C'est inacceptable. Donc, on va continuer la quête principale. Non, parce qu'en fait, j'aurais bien aimé acheter des carreaux d'arbalète. C'est vrai que ça aurait été assez cool pour la mission. Pitié, je n'ai rien fait. Francesco Troche, mon ami. Pourquoi mentirais-je? Tu as révélé mes projets pour la Romagne à ton très cher frère, qui s'est empressé d'avertir l'ambassadeur de Venise. Je ne pensais pas à mal. Je suis votre serviteur et votre allié. Alors tu me demandes de fermer les yeux sur ta trahison au nom de notre amitié. Ayez pitié, je vous en conjure. Pour réunifier l'Italie, je dois impérativement contrôler toutes les institutions. Et si l'Église ne se plie pas à ma volonté, je n'hésiterai pas à la faire disparaître. C'est vous et vous seul que je sers, pas le pape. Oh, vraiment, Troche. J'ai bien peur qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'en être tout à fait certain. Vous allez me tuer, moi, votre fidèle allié? Bien sûr que non. Vous me laissez partir? Merci, Cesare. Vous ne le regretterez pas. Garde! Donnez à Micheletto les costumes de la pièce. Lucrezia est à moi. Personne ne la touchera. Assure-toi bien qu'il ne survive pas. À vos ordres, Cesare. J'oubliais. Jetez le corps de Francesco dans le Tibre. Ok, donc il faut le sauver. C'est parti. Oh putain. J'ai appelé mon cheval beau gosse. C'est pas grave. Non, non, je garde ce cheval blanc. Tu n'es plus mon cheval. Désormais, je te bannis de l'ordre des assassins. Voilà. Et on va suivre ce mec là, sous les ordres de Cesare. Par contre, à cheval, c'est pas extrêmement discret. Bon, bah tant qu'il... Tant qu'il nous remarque pas, on va essayer de faire comme ça. Hein. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Aspetta, aspetta. Mais c'est dingue ça, parce que je passe à cheval, les gardes ne me remarquent pas. Mais c'est énorme! Ils ont fait exprès, hein, ça se voit, volontairement ils ont passé des gardes sur le chemin, on est d'accord. Mais puisque je suis à cheval, ils s'en foutent de moi. Même lui,
Il trouve ça normal que je lui colle au cul. Attendez, vous pensez que ça marche jusqu'au bout? Ah non, quand même, après il y a une zone interdite, ça va être un peu chaud ça. Alors là, il descend. Et il faut que je trouve les hommes de Micheletto. Alors attendez, on va essayer de faire le tour à cheval. Et regardez, je suis... Là, ils peuvent clairement me voir et pourtant, non. C'est le cheval magique. Toi, je vais te garder. Hein. Toi, t'es vraiment un assassin, mon petit cheval. T'es un cheval d'invisibilité. Alors hop, comme ça. Ensuite, on va passer là. Go! Youhou! Double assassinat, non? Bon, bah, pas grave, tu vis celui-là. Parfait. Merde! Ce n'était point prévu! Les assassins, tuez ces connards! On va se battre tant que l'autre il voit pas. Mais il va voir! Oh non, pourquoi il tourne? Comme par hasard. Non. Non, il ne se passe rien ici. C'est faux. C'est un peu chelou ce qui nous arrive là quand même. Attends, déjà, toi. Ah bah voilà, parfait. Oh, le lancer de couteau magnifique. Il a même pas remarqué l'autre con. Hein. C'est super ça. Attendez, je l'attrape. Vous avez vu, sale brute. Meurs. Meurs. S'il te plaît. Non. Toujours pas. Ah, magnifique. Ah, c'était des beaux éternuements ça. Fou. Alors, on va où? Il est là. Il a absolument rien remarqué. Hein. Dès que tu es déguisé, tu me suis à l'amphithéâtre. Capito. Tiens. Ok. Donc je dois faire quoi là? Utilisez vos recrues pour tuer votre cible et continuer. Il faut que je suive celui-là. Attendez, on va le tuer. Voilà, bien. Oh non! Il y avait tellement un truc beau à faire. Bon, il va me repérer là. Tue-le! Bon, bah écoute, mon con. Oh mon dieu! C'est le saut assassinat! Et je suis en train de perdre l'autre parce que il était un peu trop loin. D'accord, c'est pas grave. C'est pas bien grave, on va repop. D'ailleurs, on va peut-être repop après l'avoir tué même. Parce qu'il y avait écrit checkpoint Tintin. Et des fois, ça fait des petits bugs comme ça et on reprend où on veut. C'est cool. Alors. Bah ben voilà, on a repris au moment où le mec est mort. C'est pas magnifique ça? Par contre, on est en train de le perdre de. Oh j'ai promis, hein. Je me plains plus sur les jeux. Mais là, là je peux pas. Ouh là là. Je suis un petit peu en ébullition sur ce qui vient de se passer. Oui, parce que bon. Le coup du vous avez perdu Micheletto de vue alors qu'il ne laisse même pas le temps de le rattraper. Yo, ninja! Tu ne fuiras pas, Micheletto! Oh, des gardes! No! Perché! Hop là! Et on va tuer ce magnifique touriste là, regardez. Je vous laisse. Salut! Tout mal! Et voilà, ma notoriété baisse comme par magie. Continuons. Ah mais en fait il me repère absolument pas dans tous les coups. Dans tous les cas. Ah, il suffit que je peux faire tortue et tout. Oh tortue. Ah bon quand même là c'est vrai que s'il rentre en contact avec moi. Tiens voilà. Hein? Tu fais le malin à me repérer? Non. Tu meurs. T'as comment il. N'empêche il est décédé d'une vitesse extrême. Bon. Allez. On reprend. On va reprendre là, voilà. Non mais pourquoi tu regardes en bas? Go. Voilà. On va appeler mon super cheval assassin. Tac. Ah bah tiens. Youh. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Allez. Udada. Sortir mon épée là. Hop. Et on va tuer ce mec. Est-ce que c'était... Ah, j'arrive même plus à parler. Excusez-moi, ceci était un magnifique assassinat. Je ne pouvais m'empêcher de rire. MDR. Par contre, là, je suis un peu chelou pour tout le monde. Youhou. Le premier mec qui m'énerve là et qui passe pas au feu vert, je le défonce. Attends, on va quand même ranger mon arme. Hein. C'est vrai que niveau discrétion, c'était pas le top. Alors, lui, il vient de casser sa caisse en bois là. Il s'en bat les couilles. Hein. Il fait oh, bon, bah tant pis. Je vais en chercher une autre. Allez. C'est quand même
C'est quand même toujours long hein, de faire suivre les gens comme ça. On suit. Oh, il s'est dit come back. Come back to the night. Merde. Défonce-le. Mais c'est quoi ça? C'était une putain. Le mec il est arrivé, s'est dit allez, si on se retournait comme ça, allez, 180 degrés. Oh, mais c'est que tu es là, Ezio Auditore. Moi je savais pas que t'étais là, hein. Je suis pas du tout une intelligence artificielle qui sait exactement où tu te situes. Putain, un peu dégoûté. Allez, on y retourne. Il va falloir vraiment que je me mette ultra loin de lui, parce que là en plus j'étais vraiment éloigné en plus, hein. C'est pas comme si j'avais fait le malin et tout. Bon, c'est pas grave. En plus j'aurais pu monter à cheval en me jetant de la stèle là. On va retuer ce connard de la même manière là. Toujours le même schéma. Hop. En avant. Regardez ce pauvre con qui sait pas à quoi s'attendre. Ah, il a essayé d'esquiver un petit peu quand même, hein. Après il s'est dit bon allez on va être gentil avec lui là. Je lui ai mis vraiment un truc sale. Donc il s'est arrêté. Moi je pense qu'on va juste y aller à petits pas comme ça. Parce que c'est certainement le galop qui m'a fait repérer. Bien que quand même j'étais loin. Mais regardez, mais il a reperdu sa caisse lui, il s'en fout. Il se passe tout le temps la même chose. Ah mais ça en va vraiment les couilles, hein. Ça aurait pu être sa fortune là. Et non, bah tant pis. No problemo. Là, par contre il y a un OST là, j'ai l'impression de devenir fou. Il y a des voix à la Seigneur des Anneaux là. Vous savez, les voix là, quand les personnages mettent l'anneau, ils entendent des voix de dingue là. Comme si c'était des Jeanne d'Arc. Il y avait les mêmes voix dans l'OST. Yeah. Bah on le suit, hein, on le suit. Ah bah je crois qu'on y est là, c'est ça le théâtre. Ah bah enfin. Attends, j'aurais avoué, il vient de pop devant moi lui. Bon, c'est que j'ai pas fait attention à lui, mais il me semblait pas qu'il y avait quelqu'un devant moi. Alors, est-ce qu'on utilise les courtisanes pour dégager les gardes? Je pense que c'est une bonne idée. Bien sûr. Mais regardez quand même. Je suis pas caché entre les courtisanes, je me ramène comme ça. Bonjour, allez. Allez baiser un coup. Et moi je passe. Ah ils en prennent 2 à 4 hein. Ah c'est des petits coquins eux. Alors. Bah tiens on va certainement pouvoir faire dégager ces 4 là encore. Ah bah tiens ils me remarquent pas. Ah si si. Oh c'est que vous aussi vous voulez des courtisanes. Bah c'est que ça va faire 6 pour 2 là. Ça commence à devenir un peu plus chaud. Après 4 je vous dis c'est un peu impossible. Après, vous allez un peu vous faire chier. Dès que tu es déguisé, tu me suis à l'amphithéâtre. Capito, tiens, ça c'est pour toi. Allez, maintenant il faut que je tue 2 cibles. Attends, j'aimerais bien que... Allez-y. Fiu, fiu. Fiu. Hop là. Un délire. Alors... On va encore le suivre, j'espère qu'on va pas faire ça pendant une heure là quand même, de le suivre et de tuer les mecs qui devaient... Oh! D'accord. Imaginez quand même ce que vous devez voir à ce moment là, vous voyez un type qui se monte vraiment devant vous. Alors, genre, le mec il se dit, putain je dois être suivi là, il se passe quelque chose, je le sens, il se retourne. Il voit un pauvre type courir, et d'un coup, le type il va en arrière et il se met derrière le mur. Bon. Ce mec est tout à fait pas louche. Donc je peux continuer ma route tout à fait normalement. Hop là. On monte à cheval. Ça n'a pas marché. Je pensais que j'allais faire le saut stylé là et monter à cheval en même temps, mais non. C'est pas grave. Un jour je le ferai. Il va venir un mec à cheval, mais comme il en voit venir 35 fois par jour,
Et moi, par contre, il en était tellement surpris qu'il en a lâché sa caisse, quoi. Bon, je crois qu'il a trouvé de nouveaux acteurs. Qu'on va descendre. Je n'arrête pas. Ah merde! Comment ça se fait qu'il m'a repéré lui? Ouh non! Tu ne me repéreras pas. Botte de foin technique suprême. Bon ben voilà. Il se passe plus de questions maintenant. Ah bah il est dans une botte de foin, alors on peut y aller. On va se prendre ça. Salute! Voilà, ils sont morts. On va là. Attendez, non, là c'est bloqué. On va là plutôt. Oh, il y en a un qui... Il est chaud tonight celui-là. Dès que tu es déguisé, tu me suis à l'amphithéâtre. Capito, il tuo costume. Allez, on appelle les assassins. Bon, j'arrive pas à siffler comme lui. Non, vous avez oublié un connard. Ah bah, c'est bon, ok. Allez, maintenant, il faut suivre encore. Michaletto, c'est ça? Bah, suivons Michaletto. On va ici. Hop. Oh non. Le mec a des yeux derrière la tête. Ah non, c'était un garde. Oh non, 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 monsieur. Regardez, je suis là. Oh, oh, oh. Ah, il m'a repéré, c'est ballot. Fallait bien que ça arrive un jour. C'est pas grave, on avait le checkpoint. On a chopé le checkpoint. Allez, on y reprend. Ah putain, ils me font pop à des endroits, eux. Alors. Bah, il y a la botte de foin là, c'était juste pour faire le magnifique saut de la foi. Comment il y a quand même un bon 10 mètres de là à là, j'ai fait un magnifique saut. Hop, c'est faux, tu ne me vois pas. Ah, pour le coup, il y va à pied. Il change de moyen de déplacement. Ouais, moi aussi je suis d'accord, hein. La bouffe d'hier à la cantine a été dégueulasse. Ouais, ouais. Ouais, là je suis dans votre conversation là, parce que vous voyez, il y a des traits blancs par terre. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors attends. Il Colosseo. Nous n'avons rien à manger. Je cherche Pietro. Il est sur scène, signore. Un de mes hommes va vous conduire à lui. N'oubliez pas, j'aurai un pourpoint noir. Protégez-moi et attendez que Pilate s'adresse au centurion pour agir. Il faut que je trouve Pietro avant lui. Je crois qu'il faut aller sur ce truc blanc. Hein. Je suis pas très sûr. Mais je crois que c'est ça. On va essayer. Attends, elle est finie la mission ou... Enfin, elle continue, enfin, je sais pas. Voilà, allez, go, c'est parti. On passe d'une mission à l'autre, ça enchaîne. Let's go. Ah, désillusion. Et là, je peux passer? Ouais. Bah, vas-y. Attends, et là? Ouais, quand même. On est d'accord. Voilà. Là, il y a des trucs en bois, donc... Escalade easy. Et on y est. Ah, faut continuer par là-bas. Attendez, tant qu'à faire, on va être en haut. Non. Il y a un mec qui va me repérer là. Oh, qu'est-ce que tu fais? Fais pas le camp avec moi, Ezio. Vas-y, commence à grimper là. Une fois qu'on est en haut, on fait ce qu'on veut. Putain, pourquoi tu grimpes pas? Là, voilà, on va là. Voilà ta mère, toi.
Faut appeler les assassins. Voilà. On va juste là. Ah bah voilà, on a un serviteur promu. C'est pas... Oh, Toto. Ok, qu'est-ce qui... moi j'ai fait une sorte de figure en l'air là. J'ai lévité complètement. Non, tu ne veux pas t'accrocher ici. Bon, attendez, on va refaire ce qui était prévu. Qui n'a pas fonctionné. Voilà, c'est-à-dire ça. Ah non, c'était pas ça du tout en fait. Je vais t'accrocher comment là? Attendez. Bah j'étais parti là. Hop, vas-y. Tac. Ensuite comme ça. Voilà, parfait. Là. Fiouf, magnifique. Et on va arriver tout en haut du Colisée. Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi? Oui, pourquoi m'as-tu ainsi abandonné? Merde! Quelle est la croix de Pietro? Écoutez! Mais écoutez le don imploré Ellie de venir le sauver! Attendons encore un peu et nous verrons bien si Ellie ose venir à ton secours. J'ai grand soif! Oui, j'ai grand soif! Oui, seulement, point, tu ne boiras. Ok, donc il s'éclate à faire la répétition. Alors, Pietro, c'est qui? Éliminez les tireurs avant de vous diriger vers les coulisses. Ok. Hop là. C'est limite la scène de théâtre la mieux gardée du monde. Hop là. Laissez-moi tranquille. Personne ne me verra. Je suis trop discret. Putain, sa main, elle était sur le truc. Elle a carrément fait une sorte de... J'ai pas envie de la toucher. Putain, il était dessus. Merde. Il fait aussi des bonds de 20 mètres, lui. Putain, il peut pas faire des sauts normaux, de gens normaux, là. À chaque fois, ça me tue, ça, qu'il fasse des sauts. De putain de 10 mètres de long. Youhou. Allez ninja. Et on se ramasse à l'autre bout du monde. Allez, on se retape tout. En plus on a un timer, comment ça? C'est vraiment le genre de truc rageant. Tu as 5 minutes. Si tu arrives pas à temps, tu perds et tu recommences. Surtout dans les jeux comme ça où le gameplay est pas vraiment au point, faut avouer hein. Ouais voilà, par exemple tu vois ça, quand je dis qu'un gameplay n'est pas au point, c'est quand c'est quand tu fais des trucs que tu voulais pas faire, quoi, tout bonnement. Alors que t'appuies sur fondamentalement les bonnes touches, quoi. Genre souvent j'arrive sur des plateformes, alors je voulais absolument pas faire ça. D'ailleurs très souvent, alors déjà toi tu vas mourir. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Tortue Ninja, c'était pas ça la chanson, je crois que c'était Power Ranger plutôt. Toi, tu vas mourir aussi. Hop là. Bon, en fait, 5 minutes, c'est tranquille. Hein. Oh, oh, Matrix est en moi. Allez, maintenant on y va. Donc, il est comme ça. Voilà. Hop. Alors qu'il en soit ainsi. Il faut que je les tue. Contre ma volonté, je l'exécuterai. Mais je tiens. On va descendre. Je redoute les effets. Au mal ou au bien, je ne sais à quoi me fier. Je dois monter sur scène. Puissant seigneur, je te vois devant moi. Ils m'ont laissé, d'accord, mais tranquille. Cette eau qui ruisselle sur ma main et aussi sur ma lance. Si dans mes yeux elle pouvait couler, peut-être verrais-je ce qui est. Seigneur, tu me mets un time, mais je peux même pas courir. D'où vient cette eau? Hélas, hélas, pauvre de moi. Mais qu'ai-je fait? Pourquoi? L'homme que je vois, me faut-il vraiment le tuer? Je ne puis m'y résoudre et pourtant, je...
Oh, Seigneur! Pourquoi t'ont rappelé à toi cet homme qui est accroché là? Et qui, du droit chemin, la place, c'est où? Ne s'écarta, car il est le fils. Vas-y, attends, je vais suivre les mecs déguisés. Tombe maintenant là où oh. Il sera. Je sais pas où il faut que j'aille, moi. Oh putain! Non, il fallait que je fasse comme eux! Oh! Il fallait faire la vision d'aigle aussi. Non! Pour la peine, je vous tue tous! Carré! Il défonce, voilà. Alors lui, il avait pas eu de chance. Bon d'accord, fallait faire la vision deck, j'ai même pas lu. Putain, moi je lis jamais ce qu'il y a à l'écran, c'est un truc de dingue. Hein. Enfin si, là, j'essaie de faire attention, mais je l'ai lu trop tard quoi. C'est chaud, hein, je vous dis, commenter, jouer, en plus commencer à lire des trucs. Pouf. Ah ouais, ça commence à faire beaucoup de choses. Hein. Allez, on y retourne maintenant, c'est exactement où il faut aller. Bonjour, les beaux gosses. Comment? Ils font vraiment les beaux gosses. Yeah! Tu passeras pas par ici, mon gars. Par là non plus. Oh, Seigneur! Pourquoi? Hop là. Rappelé à toi cet homme. Attends, je suis bien passé par le point de passage, rassurez-moi. C'est bon, maintenant on va là-bas. Jamais ne s'écarta, car il est le fils de Dieu. Une tombe m'attend là où il sera enterré, car à ses côtés. Je trouverai la béatitude. Joseph, je te le dis, sans aucun doute, il est le fils du Seigneur, le Messie envoyé par le Tout-Puissant. Va demander son corps à Pilate, et nous pourrons enfin l'enterrer. Je vais t'aider humblement à le descendre de sa croix. Noble Pilate, je sollicite une faveur que dans ta grande bienveillance tu m'accorderas peut-être. Le prophète qui est mort aujourd'hui, permets-moi de recevoir son corps. Joseph, je le puis de bonne foi. Si ce centurion ici même me dit qu'il est mort, je ne m'y opposerai pas. Centurion, Jésus est-il mort? Oui. Ok. Il est. Ok. Il a attaqué le mauvais, ce fils de pute. Moi j'ai vu écrit neutralisé, hein. Neutraliser, putain, moi je sais pas, ils m'ont pas dit tuer, tu disais tuer clairement, neutraliser c'est vrai qu'il y a la plupart du temps ça veut dire tuer, mais si je le plaque au sol il est neutralisé aussi. Ah non, vous pouvez te reprendre là, bah allez hop, c'est la fête au Raiko. Putain, merde. Ah moi je me suis dit je vais le tuer, il va y avoir une désynchronisation, on va me dire, ah t'as pas vu à lui, il y avait écrit neutraliser, il fallait le plaquer au sol. Donc bah je l'ai plaqué au sol. Après j'ai vu que c'était pas ça, bah, il m'avait pas repéré au moment où je l'ai plaqué au sol, non non, tout le monde s'en battait les couilles. J'ai appuyé sur putain de carré, ce con, il a tué un citoyen, merde quoi. Putain, il me dit ne tue pas de citoyen. Mais si tu sais qu'il faut pas tuer de citoyen, alors pourquoi quand je fais carré, tu vas attaquer le citoyen alors que t'as plaqué un mec qui est le méchant. Merde. Oh là là. Allez, on se remet là, on va devoir faire le tour, ça va prendre 3 minutes. Là où il sera enterré, car à ses côtés, je trouverai la béatitude. Joseph, je te le dis, sans aucun doute, il est le fils du Seigneur, le Messie envoyé par le Tout-Puissant. Va demander son corps à Pilate, et nous pourrons enfin l'enterrer. Je vais t'aider humblement à le descendre de sa croix. Noble Pilate, je sollicite une faveur que dans ta grande bienveillance tu m'accorderas peut-être. Le prophète qui est mort aujourd'hui, permets-moi de recevoir son corps. Je le puis de bonne foi. Si ce centurion ici même. Voilà. Ah oui. Eh ben, séquence terminée, non? Tu ne peux pas sauver Pietro. Le vin qu'il a bu était empoisonné. Comme je l'ai promis à Cesare.
Je n'ai rien laissé au hasard. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas venu te tuer. Celui qui fait tout pour faciliter l'accaparement du pouvoir finit par causer sa propre perte. Libérez-le! Nous n'avons pas répété cette scène! Retenez les gardes! Pourquoi au moment où on l'a détaché, il a commencé à... Enfin bref, vous m'avez compris, d'accord. Le poisson, il est arrivé juste à ce moment-là. Mais nous n'avons pas répété cette scène, moi je suis en pleine forme! Aidez-moi! My fucking god! Arrêtez les gardes! Allez les mercenaires, défoncez-les! Mais bande de fils de pute, pas moi! Viens ici, Jésus! Je vais te sauver! Qui es-tu, toi? D'où tu sors? Mais putain! Mais j'ai Jésus entre les mains, un peu de respect, merde! Ils me poussent tous comme si de rien n'était! Monsieur le médecin! Sauvez-le! Non, les Bolgia! C'est bon, je passe entre les deux. Bon, Jules, sauvez-le. On l'a empoisonné. Ce teint. Cantarella. Buvez ça. Vite! Laissez-lui un moment. Je me sens un peu mieux. Eh bien, les sangsues vont le remettre sur pied. Je ne sais comment vous remercier, je... Donne-moi la clé du château Saint-Ange. Vite. Mais de quoi parlez-vous? Je ne suis qu'un pauvre acteur. Cesare, c'est tout pour toi et Lucrezia. Tenez. Non! Attends-nous! Nous vous croyons mort, Serezio. Pas encore. Où conduit ce passage? Au nord, de l'autre côté des murs. J'y vais! Je dois aider les troupes! Un momento! Je t'ai vu à la Villa Auditore pendant l'attaque! Ok! Bon alors lui, il va pas faire long feu, moi je te le dis. Ah ouais d'accord, il y a carrément les Borgia qui te protégeaient tout. Non! Toi, tu t'arrêtes, mais... Merde! Mais... Ah! Mais c'est quoi ce fuc? Mais je peux pas... Je peux pas l'arrêter! Voilà! Arrêtez la musique, hein, ça y est, je l'ai eu! Je crois que je suis allé un peu vite. Ok, d'accord. Laissons le jeu le temps de comprendre. Pourquoi t'es-tu enfui? Je... C'est toi le traître, pas Machiavelli. Longue vie aux Borgia! Merde. J'avais raison. Je dois trouver la Volpe avant qu'il ne tue Machiavelli. Oh non, Machiavelli! Mon fier ami, pourquoi? N'ai-je pas cru en toi? Eh, chaud là! Eh, ça c'est de la bonne! Vas-y, go! Mon cheval! Mon fidèle destrier noir! Nous ouvrirons les portes de l'enfer ensemble! T'as commencé ça et ça me fait penser à ce putain d'OST! Yes! En voilà, le voilà l'OST! Oh ouais, je me sens comme un putain de warrior! Wouah, tu as tout gâché, cheval. Vite. Allez, je t'abandonne, team pauvre merde. Go. Machiavelli. Dépêche-toi de nager. Machiavelli va mourir, je te le dis. Non. N'arrêtez pas l'OST. Vite. Je sais qui est le traître. Quoi? Un de nos hommes. Il était à la villa. Regarde, il avait cette lettre. Dio mio. C'est une bonne nouvelle? Plus que tu ne crois. J'ai une nouvelle dette envers toi, Ezio. Entre deux amis qui s'estiment, les dettes n'ont pas lieu d'être. Ouais. Merci de m'avoir transmis le message à temps. Viens, Niccolo. Il y a longtemps que nous n'avons pas bavardé.
J'ai appris que la passion jouée au Colisée a eu un final inattendu. Ah bon? Apparemment, Jésus-Christ a ressuscité avec 3 jours d'avance. Ok. Bah super. Allez, on enchaîne la quête principale. Pour moi, on a déjà fait 3-4 missions même, je crois, je sais plus. C'est pas bien grave. Oh putain, je sais pas pourquoi il peut pas grimper ça, vas-y. Hop. Jette-toi, Ezio, au bout d'un moment. Ah, forgeron, en plus je crois que c'est... Si, ça doit être sur Influence Borgia, ça. Ah, je peux rénover. Yes. On va pouvoir s'acheter v'là les carreaux d'arbalète, des nouvelles armures et tout. Bon, peut-être qu'il y a même une banque à rénover dans le coin. Attendez, on va vérifier. Donc, select... Y a-t-il une banque? Bah en fait, c'est que c'est pas influence de Tour Borgia, mais du coup, vu qu'on n'a pas synchronisé, on ne peut pas savoir où se trouvent les magasins. Ceux qui trouveraient mes articles trop chers, je oh, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! La caméra, elle a commencé à partir en couille. Ouais, mais du coup... Oh! On se calme, messieurs! Non, mais parce que du coup, en banque, là, il doit avoir un putain de coffre de dingue, là. S'il vous plaît. Où je peux trouver... Non... Pourquoi? Bon, c'est pas grave, allez, on va s'acheter les... Mais putain! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il va y avoir une fiesta ou quoi? Vous êtes 3 millions. Allez. Alors, on va t'acheter déjà... Pardon. On va t'acheter déjà des carreaux d'arbalète. Donc voilà, hop, le maximum que l'on peut. Putain, ça coûte cher. Mais ça vaut le coup. Des balles aussi. Non, pas de balles, c'est bon. Ensuite. Dans les armures, c'est important. Plastron romain, donc ça c'est acquis. Ensuite, la meilleure jambière, c'est elle. Attends, mais moi je sais pas. Oh merde, c'était elle le meilleur plastron. Mais oui, mais avant c'était mieux indiqué dans le 2 quand même. Parce que là, je comprends pas trop comment ça marche. Et là, c'est trop cher. Ah non, terminer la quête marchande. Bon, on va mettre la protection de bras qui met voilà les points de bouclier. Voilà, maintenant on est ruiné. C'est cool. Non, je donne pas de la fausse monnaie. Je suis propriétaire de cet établissement, tu te calmes. Putain. Aucun respect, vraiment. Allez, hop. Est-ce qu'on est BG maintenant? Moyen, hein, on n'a pas changé. Allez. D'ailleurs, c'était pas par là qu'il fallait passer. Hop, on va retomber. Voilà, génial. Et c'est juste là. Volpe, quelle nouvelle de Rome? Tout se passe bien. Les Français et les troupes du pape sont en déroute. Alors l'heure est venue. Rassemble les assassins. Et fais venir Claudia. Maintenant? Oui. La Shahaya Wahak, Boutlak Balekulun Mumkin. Ces mots expriment toute la sagesse de notre credo. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Claudia, nous consacrons tous nos vies à défendre la liberté de l'humanité. Mario, notre père et notre frère se tenaient autour de ce feu pour combattre les ténèbres. Aujourd'hui, ce même choix s'offre à toi. Sois des nôtres. À de multiples occasions, nous avons été en désaccord, toi et moi. Niccolo. Mais je reconnais que notre ordre avait besoin d'un homme comme toi. Tu as mené le combat contre les Templiers et reconstruit notre confrérie. Maintenant, Ezio doit occuper la place qui lui revient, celle de chef de tous les assassins. Ezio Auditore da Firenze. Dorénavant, nous t'appellerons il Mentore, le gardien de notre ordre et de nos secrets. Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi que rien n'est vrai.
Quand la morale ou la loi bâillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi que tout est permis. Pourquoi ce revirement soudain ? J'ai toujours été à tes côtés. Vois-tu, c'est moi qui t'ai fait venir à Rome. C'est moi qui ai fait diversion pour t'aider à t'enfuir du château. Et les mercenaires qui ont protégé tes arrières au Colisée, c'est encore moi. Tu l'ignorais, voilà tout. Maestro Machiavelli, Cesare est revenu à Rome seul. Il se dirige vers le château Saint-Ange. Grazie. Alors ? Cette décision t'appartient, Ezio. Niccolo. Tu dois continuer à me prodiguer tes conseils. Sinon, à quoi me servirait un compagnon aussi avisé que toi ? Achève-les, Mentore. Qu'on en finisse enfin. Bon conseil. Un jour, j'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. Fais en sorte qu'il soit court. Franchement, une belle cinématique, il faut avouer. D'ailleurs, j'adore le credo des assassins. Franchement, le credo est très 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 bien. Par contre, ouais, je sais pas. Moi, j'ai toujours. De toute façon, il y a toujours du bon à prendre hein, dans des deux côtés généralement. Hein. Que ce soit des Templiers ou des assassins, les idées d'origine sont toujours pas dégueulasses. Hein. Donc ben voilà, je pense que nous on va se laisser là pour cet épisode, on a quand même terminé la séquence 7, c'est pas mal, je crois que la 8 c'est la dernière, hein. D'ailleurs Niccolo l'a dit, va en finir avec ça et je peux vous promettre vraiment une très jolie fin, ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas nous on se laisse ici, je vous invite encore une fois comme d'habitude à partager cette vidéo, à la liker et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde, tchuss et à la prochaine.